Salut, c'est Alain et bienvenue dans cette nouvel épisode là de la Minute Efficace. Alors, que tu mettes ton habit d'entrepreneur là, de ou de parent ou de salarié, tu dois certainement faire face, comme moi d'ailleurs, à un combat intérieur, un combat avec toi-même. Alors, de quoi je veux parler? C'est le fameux moment où tu te mets à dire: je suis désolé à tout bout de champ. Oups, j'avais pas vu que tu étais au téléphone, désolé. Oh, désolé, il y a un petit grain de poussière. Désolé, là, je tourne une vidéo. Tu pourrais faire moins fort? Désolé, j'avais pas mis le micro. Quand tu dis je suis désolé, finalement, tu te mets dans un état d'esprit négatif. Désolé d'être en retard, désolé de ne pas avoir fait ceci, désolé de ne pas avoir dit cela, désolé de ne pas avoir demandé le truc chouette bidule. Donc, bah, plutôt que d'arriver en retard en réunion et de dire désolé tout le monde là d'être en retard, je te propose de changer d'habitude verbale. Alors, au début, hein, ça va pas être simple, comme d'habitude, c'est changement d'habitude. Donc, bah, c'est pas toujours simple de changer de les mauvais réflexes, mais dorénavant, je t'engage à ne plus utiliser le mot désolé et de dire à la place merci. Du genre, merci de m'avoir attendu quand tu es en retard. Et c'est tout. Pas de besoin de donner ni d'excuses ni d'explications. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir attendu, merci d'avoir fait ce geste, merci de m'avoir répondu si vite. En fait, nous avons tous des verbalisations négatives. Donc au lieu d'utiliser des je suis désolé ou même je pense, utilise des mots positifs. Plutôt que d'être réducteur, là, de te mettre en position de fautif, de montrer que tu as le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, bah, commence à te mettre dans un autre état d'esprit, là, un autre mindset. Pour gagner en efficacité, pour avancer, il faut se mettre en confiance, avoir plus de puissance. D'ailleurs, bah, tu le vois, là, non seulement tu dois changer tes habitudes verbales, mais aussi change ta posture physique. Alors voilà ce que je te propose. À partir de maintenant, fais attention à ce que tu dis. Et à chaque fois que tu vas t'excuser, fais en sorte d'utiliser des mots qui te mettent dans la bonne attitude et non dans la mauvaise. D'ailleurs, bah, merci à toi de me mettre un commentaire sous cette vidéo. Merci de presser sur le pouce pour liker. Merci de partager cette vidéo et d'ailleurs, merci de t'abonner à ma chaîne YouTube. Allez, on se retrouve très vite et en attendant, explore ta vie, passe à l'action, change ta réalité. Ciao, bye.